Tip les gens, aujourd'hui un petit vlog très court. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau décor, en sachant que la lumière n'est pas définitive. J'aurais sans doute bidouillé des trucs parce que là il y a une lumière absolument immonde dehors et du coup ça fait un truc genre très très laid. Mais sinon voilà, n'hésitez pas en termes de contraste, de machin, de tout ce que vous voulez à faire des commentaires là-dessus. Autre chose, j'ai décidé de me fixer un rythme de parution. Alors je sais, cette vidéo sort le jeudi et j'ai décidé que le rythme de parution, ça serait les mercredis. Mais il y a l'existence inter, tout ça, c'est un peu le bazar. Du coup, un mercredi sur deux, vers 17-18 h, il y aura une nouvelle vidéo qui sortira. Et voilà, je vais essayer de me tenir à ce rythme de une fois tous les 15 jours. C'est pas nécessairement évident avec toutes les autres responsabilités militantes que j'ai, notamment au planning familial, on a un collectif qui se monte, la gestion de ma communauté, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui se fait et du coup, ma chaîne au final, c'est vraiment pas devenu, comment dire, c'est pas le truc qui me prend le plus de temps dans mon activité. C'est le truc qui pour moi a le plus d'importance, mais c'est pas ce qui me prend le plus de temps. Et en plus, j'aimerais bien faire une vidéo par semaine, mais une vidéo par semaine, j'ai essayé et je me rends compte que c'est extrêmement éprouvant comme rythme, en fait, de devoir se poser face à sa caméra et de traiter les sujets que moi je traite. Voilà, une fois par semaine, c'était vraiment trop rude pour moi, en fait. Je me suis retrouvé angoissé à l'idée de faire des vidéos, etc. Donc une fois tous les 15 jours, ça va être un rythme un peu plus cool. Et ça va me permettre, moi, de décompresser un petit peu entre les épisodes. Alors c'est sûr qu'un vlog, c'est pas hyper compressant, mais voilà. Je serai du coup à l'existence inter samedi. Et si vous voulez me dire coucou, n'hésitez absolument pas. Il y aura plein de gens de ma communauté en plus. On sera tous réunis. Ah on sera tous réunis là-dessous. Voilà. Du coup, ça va être choupi chouette. Et n'hésitez pas à faire un coucou, etc. Voilà. Je serai là et on sera plein et ça sera un chouette moment. En parlant de l'existence inter, je suis à la table ronde le lendemain à Paris. Au Festival des Merveilles, table ronde à 16 h sur Être trans en province, des clichés aux réalités. Ça sera Océan qui animera la table ronde. Sinon, j'ai eu un petit moment de un peu, comment dire, de crise personnelle, plus que militante en vrai dernièrement. Je veux dire, je me suis complètement out of the blue, je me suis retrouvé à me dire, mais. Où est-ce qu'elle est passée, la petite Youfie qui voulait sauver le monde? Ça m'a fait hyper mal, je me suis mise à pleurer et tout, enfin voilà. Je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de mal à avoir cette espèce d'optimisme et de volonté joyeuse qui caractérisait mon militantisme dans ses débuts. Et que je gagnais en cynisme et en misanthropie, ce que j'aime pas du tout. Voilà, j'ai vu des trucs comme quoi, quand t'es trop occupé sur trop de terrains militants différents, bah, du coup, ton cerveau, il se protège parce que t'as beaucoup trop d'informations qui nécessiteraient ton empathie. Et voilà, du coup, tu shut down un petit peu ça. Du coup, je sais pas quoi faire. Là-dessus, je sais pas quoi faire. Si vous avez des conseils, pour le coup, pour une fois que je demande des conseils, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Mais voilà, j'ai déjà réalisé ça. Du coup, je vais essayer de bosser dessus. Et si j'y arrive pas toute seule, bah, si j'arrive pas toute seule, je reprends ma thérapie avec ma psy en janvier. Donc voilà, c'est un autre truc à foutre sur le machin. Voilà, tout ça pour dire que prenez soin de vous et évitez de vous casser en faisant du militantisme parce que après il faut se réparer, c'est vraiment pas évident. Dernier point, la vidéo Être trans et dans le déni a genre été extrêmement vue, je crois qu'elle a été vue plus de 2600 fois, ce qui est vraiment très très chouette. En revanche, sa petite sœur Être trans et douter, qui est la vidéo suivante et qui est genre autant si ce n'est mieux, à genre à peine 1000 vues et voilà, je me disais que si vous aviez loupé l'information et que vous aviez l'impression que c'est la même vidéo, bah peut-être allez la voir pour bah, parce que c'est la suite et puis elle est vachement bien. Donc je veux dire, voilà, comme ça vous êtes au courant.
Autre chose, si vous voulez me soutenir, il y a toujours le Utip pour voir des pubs, pour pouvoir donner un don régulier, ponctuel, pour acheter tout un tas de goodies en vêtements. Et sinon, il y a aussi le site internet sur lequel vous pouvez acheter des petits goodies, genre des badges, etc. Donc, voilà. Et si vous faites une commande et que vous voulez que je vous l'amène à l'existence pour éviter les frais de port, n'hésitez pas à me contacter en DM. Comme ça, j'apporte ça dans mon sac le jour de l'existence et on se le passe à ce moment-là. Voilà, des bisous, tipoui.